the rest with my friends, cause they all know. Et donc salut tout le monde, c'est Mega Pikachu. J'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui on se retrouve non pas pour l'annonce d'un nouveau jeu Pokémon, mais on se retrouve pour une découverte sur un faux jeu Pokémon. Donc c'est pas un vrai jeu Nintendo, enfin développé du moins par The Pokémon Company. Donc comme vous avez vu le titre, ce jeu se nomme Pokémon version temporelle, faux jeu Pokémon français. D'ailleurs, je remercie le fondateur du projet Dark Race, si vous avez vu au début de l'introduction, qui m'a donné l'autorisation de pouvoir faire une vidéo sur son jeu, qui est d'ailleurs, rien qu'à l'introduction, juste super, on va en parler juste après. Et donc, avant de commencer, je tenais à m'excuser de ce retard de vidéo. Comme d'habitude, je suis toujours en retard. Non pas parce que j'ai pas envie, mais juste que normalement je vais faire un rétro Pyongyang que je ferai normalement ce week-end, cette fois-ci normalement c'est sûr, donc pour divers problèmes, enfin problèmes non, juste qu'on n'était pas connectés en même temps à chaque fois, et donc pour m'excuser, je vous fais une vidéo découverte sur un faux jeu que j'ai trouvé, donc. Et surtout, je tenais à vous remercier car maintenant on a dépassé les 100 abonnés, on est à 102 si je me rappelle bien. Donc voilà, je sais pas si je ferai une vidéo spéciale. Si vous considérez celle-ci comme une vidéo spéciale, dites-moi dans les commentaires, sinon j'en ferai une autre pour les 100 abonnés. Je pense que j'en ferai une autre, une FAQ ou sur un jeu, comme vous voulez, dites-moi. Mais on a dépassé aussi les 3608, donc je vous en remercie énormément. Et donc, je vais vous parler du jeu, de ce que j'en pense, déjà de mes premières impressions. Tout en commençant le jeu. Allez, on est parti. Donc déjà, on va parler un petit peu d'introduction pendant qu'il nous présente les commandes du jeu. Donc, regardez les commandes, je ne vais pas vous les lire, vous voyez à l'écran. Donc l'introduction du jeu qui est pour moi juste magnifique, ils ont du travail, je ne sais pas combien de temps, rien que pour faire l'introduction.
Ça n'a rien à voir avec les autres jeux Pokémon, ils me présentent. C'est pas. Déjà, on voit. Comment dire? Il y a un truc qui m'a intrigué, je pense que vous aussi, vous voyez qu'il y a une. Comme un peu dans la. Si vous... Je sais pas si vous connaissez le film Retour vers le futur, ben, il y a exactement la même voiture. En fait, le film, ça parle d'un scientifique qui a inventé une voiture qui permet de voyager dans le temps et vous pouvez remonter le temps, vous pouvez aller dans le futur. Enfin, bref, vous cherchez sur Internet, vous trouverez. Ben, c'est exactement la même voiture qu'il y a dans ce jeu, donc je ne sais pas ce qu'on peut y faire. Je vais vous dire juste tester le jeu pour voir s'il marchait. J'ai rien préparé, j'ai juste pris 2-3 notes qu'il y avait sur le site du jeu. D'ailleurs, je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, ben, introduction. On voit à un moment donné des étourvols, oui, qui traversent une route du jeu. Donc c'est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'effets qui ont été travaillés sur le jeu qui n'existaient pas. Les Pokémon qui sautent un peu. Il y en avait normalement, je sais plus quel jeu Pokémon, je crois. On va commencer le jeu, je vous ai pas lu parce que c'était pour parler. Et puis voilà quoi. L'introduction, voilà. Vous me dites ce que vous en pensez vous aussi, moi. Voilà. Je vous ai dit ce que vous en pensez. Donc là, vous voyez qu'on commence avec un professeur qui va nous donner son nom. Bon, je vous lis pas l'introduction parce que je pense que vous connaissez Pokémon depuis le temps que vous regardez mes vidéos. Donc c'est le professeur Nicky. Tout le monde m'appelle Nicky. Je ne vais pas faire de jeu de mots là-dessus car il y a peut-être des enfants qui regardent cette vidéo. Donc sûrement impatient, patati, patata. Ok, mon nom. Eh bien, on va faire comme d'habitude les gens. Je m'appelle Sacha. Hop. Ouais. Ok, voilà. Ok, ça sonne drôlement bien. Ah ben, en même temps, c'est le nom du héros dans toute la série Pokémon. Enfin, non, je sais pas pourquoi je suis venu ici. Il y a un an, tu as battu pour la 17e fois le maître de l'île de Johto et Kanto, Piton. Ah, très intéressant. Celui-ci, voyant que tu avais extrêmement progressé, t'a proposé de partir de la région de Chronosa. Oui, car ce faux jeu Pokémon a été totalement faux. Donc, il y a toujours les mêmes Pokémon, il n'y a pas des fake mon. C'est juste qu'il y a une région différente. C'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout, ça a pas été inspiré d'un vrai jeu Pokémon. C'est une map entièrement créée par toute la team du jeu. Et donc, la région, imaginez tout, les villes, ça n'a pas le même nom et tout. Patati, patata. Donc, on emménage dans une nouvelle ville qui se nomme Bourora, comme vous voyez. Et puis, voilà. Donc, cette personne, c'est notre ami, notre rival, je pense. Eh bien, en nom, on va pas se compliquer. Le premier nom que j'ai en tête. Voilà. Voilà. Lala. Ah oui, c'est ça. Lol. En plus, ça fait date, je ne Donc voilà, patati, ça va commencer l'aventure. Je vais pouvoir vous parler. Voilà. Voilà, donc c'est parti. Voilà. Et donc nous commençons. Donc vous voyez qu'on commence dans notre chambre comme d'habitude. Vous voyez que les graphismes sont un peu aux anciennes versions Pokémon. Enfin, quel jeu Pokémon, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est pas Pokémon Crystal. Pokémon Crystal, c'était pas comme ça, mais je sais pas, ça me fait penser à un jeu. Le skin, je voudrais ça à peu près comme ça. Si je retrouve le jeu, je vous dirai, je vous mettrai ça quelque part sur la vidéo. Donc voilà, je vais parler un peu du jeu. Donc aussi, il y a eu l'introduction, mais avant l'introduction du jeu, on a une sorte de launcher. Je vais vous mettre l'image à l'écran si j'y arrive. Donc, je vais essayer de vous en parler là. Donc en fait, c'est un peu comme une interface avant de commencer le jeu, où en fait, on peut aller sur des endroits. Alors, on peut cliquer sur un endroit, on peut aller jouer au jeu. Un endroit où, ou bien, attendez, on peut aller sur le site web du jeu, un lien pour mettre à jour le jeu, un lien pour des cadeaux mystères, donc il y aura des cadeaux mystères sur ce jeu, donc j'ai pas plus d'infos sur ça, donc sûrement des cadeaux comme des Pokémon, des objets, des trucs du genre. Des lives, alors des lives, ben, c'est exactement comme les lives sur YouTube, c'est-à-dire c'est des vidéos du jeu qui sont faites par le créateur, mais en live, c'est pas sur YouTube, c'est sur Twitch TV. Donc un site qui est spécialisé que dans les pour faire des vidéos en direct donc. Et puis un mode online. Donc un mode online, je pense que c'est les échanges, les combats Pokémon.
et tout ça, donc c'est, si j'arrive, je mets les images à l'écran, en haut à droite, il y a le nombre de fois que j'ai été téléchargé, il y a les news du site, du jeu sur la droite, et un petit crédit en bas à droite, voilà, et puis donc, voilà, donc, on parle un peu des graphismes du jeu, bah, c'est vraiment sympathique, quoi. On peut voir le menu comme ça. Donc on fait un petit tour dans le sac qui n'a pas vraiment changé. Ah, donc ça c'est un livre qui contient les Easter Eggs débloqués. Ouais, je pense que ça veut lire. Donc ça, carte de dresseur, très sympathique. Voilà. Sauvegarder ici, options. Les options. Ah, je ne sais pas. Les fenêtres, sauvegarde automatique. Ah, c'est intéressant. Enfin, on va rien changer pour l'instant, parce que voilà. Petit bruit comme quoi vous avez changé les options. Et donc voilà. Donc la version de jeu aussi, c'est la 3.1. Donc le jeu, il y a eu donc 3, 4, je sais pas, 4 mises à jour du jeu. Alors, je vais avancer pendant que je vous parle. Donc 4 mises à jour du jeu. Et la 3.2 du jeu est en cours de développement. Donc le jeu, bien évidemment, comme vous l'avez bien compris, n'est pas fini. Si je me rappelle bien, on n'a que les 6 premières villes du jeu disponibles. Si je me trompe, dites-le-moi dans les commentaires. Pour ceux qui connaissent le jeu. Donc là, on nous donne un livre de quête. Ça me fait penser un peu comme dans Pokémon version génération. Donc peut-être qu'ils ne savaient pas. Hein. Je ne dis pas que l'un des deux s'est plagié l'autre, mais voilà, c'est. Voilà. C'est à peu près pareil, je pense. Il y a beaucoup de ça dans les. Comment dire? Dans les jeux. Dans les faux jeux Pokémon. Et là, vous voyez qu'il y a une petite animation comme quoi on a une quête qui a commencé. Et donc voilà, on repart. D'ailleurs, petite note, la musique du jeu, je la trouve juste superbe. C'est pas exactement comme dans le jeu Pokémon. J'ai l'impression qu'elle a été créée. Et puis là, ben, on est sur Burora, donc la ville du jeu. Donc voilà, c'est sympathique. Donc voilà. Et donc je disais, donc on a que les 6 premières villes disponibles et les 11 premières routes. Si je ne me trompe pas, j'ai regardé un peu sur le site ce qu'il disait. Et également des lieux un peu inédits, hein, comme un manoir qui sera disponible. J'en dis pas plus, d'autres endroits. Donc il y a peut-être certains endroits qui sont déserts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dresseur, il n'y a rien. Mais c'est juste qu'ils ont déjà créé le lieu pour travailler dessus sur la prochaine version. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais voilà. Donc bon, on va aller voir le professeur déjà. Parce qu'on a commencé. Voilà. Ah, bonjour Monsieur Nicky. Encore une Pokémon. Trois Pokéball. On en choisit une. Donc on a soit Tiplouf. Non. Soit Poussifeu. Non. Soit Germignon. Eh bien moi, vous savez, si vous me connaissez bien, vous regardez mes vidéos, vous voyez que je suis un grand fan des Pokémon de type feu. En tout cas, Brasigali, il est juste overcheaté ce Pokémon. Bah du coup, je prends Poussifeu. De manière, je pense pas que je ferai un let's play, du moins pas encore sur ce jeu. Si vous en voulez un, mais bon, bien sûr que je vous en ferai rien. Ah, petite musique. Très sympa. Et ouais, donc si je fais un let's play, pas pour le moment parce que déjà je dois finir Cristal. Je pense pas finalement, je n'aurais pas fini d'ici la fin de mois, je pense pas que j'aurais fini, donc je m'en excuse. J'ai pas qu'une version génération, que je viens juste de commencer donc. Et celui-là, ben je pense que si je fais un let's play, j'attendrai que je sois fini, surtout que le jeu il a pas l'air très très long pour tout vous dire, mais il a l'air très très bon. Voilà. Après, il nous a donné le Pokédex, le nouveau monsieur. Voilà, 5 Pokéballs pour débuter. Voilà, 4 Pokémon. Allez, on se dépêche. Ok, alors on doit aller dans une ville qui se nomme Cypralé pour donner un objet à un professeur, j'ai oublié le nom. Ah, machine des droites. Ok, on va jeter un petit coup d'œil d'ailleurs au livre de quête. Allez, on va conquérir les Pokémon de Chronosia. Je crois que ça se prononce comme ça et pas Chronosia. Non, je pense que c'est Chronosia. Je suis du sud, donc forcément, moi, les S, je commence vraiment.
tout, même les S à la fin, je les prononce des fois. D'ailleurs, je m'excuse si vous les entendez. Je pense pas. Donc, je disais, on va jeter un petit coup d'œil au livre 4, donc. Ah, bah, vous voyez que c'est exactement, enfin, exactement, non, à peu près pareil que comme sur Pokémon Engine version génération. Donc, 4 en cours, 4, normalement, sur Pokémon Génération, il y a écrit 4 réussis et 4 échoués, je crois. Donc, on va regarder. La chasse au badge. Alors, ça, c'est pour. Ah, vous voyez que pour l'instant, on n'a que les 3 premières arènes qui sont disponibles. Et, puis ça, on doit remettre la machinerie au prof. Donc, un autre sortiment de le prof Rémi. Et puis voilà. Donc, ça, c'était pour le livre des têtes. On va partir à l'assistante qui vient toujours nous donner un truc. Je parie que c'est des potions. 3 potions. Je prévois tout. Et donc, on va commencer tout ça. Donc, tout ce que je vous ai dit jusqu'à c'était des petites notes quand j'ai testé le début du jeu. Parce que je regardais l'introduction pour tout vous dire. Oui, ben, parce qu'il fallait bien que je vois si le jeu marche. Et puis maintenant, ben, je vais vous dire mes premières impressions. J'ai découvert le jeu en même temps que vous à partir de. Maintenant, je pense que je vous ai tout dit, je regarde mes petites notes. Non, je pense pas que j'ai autre chose à vous dire pour l'instant, mais on va déclarer. J'ai entendu, c'est parti. Ah, on va peut-être regarder aussi un truc, les Pokémon. Donc, l'interface a pas trop changé. À part ça, donc ça c'est sympa. Calme de nature. Voilà. Augmente l'intéressant spécial, voilà. Et justement, voilà, c'est sympathique. Le Pokédex, oui, comme ça. Vous voyez, qui est interfait, ça me fait penser un petit peu à Nintendo DS, vous voyez. Ce que je veux dire, bon, peut-être que je me trompe, mais non, ça me fait penser à ça. Enfin, c'est juste le design, en fait, c'est pas les mêmes boutons, il n'y a pas le bouton A, B, X, Y. C'est même pas dans l'ordre, je crois. Et puis voilà, donc, c'est sympa. Donc, niveau menu, ben, je trouve que c'est un travail, ça a été bien travaillé pour l'instant. Donc au fur et à mesure des mises à jour, je pense qu'ils vont changer encore. Et puis voilà. Ah aussi, pour tout vous dire, donc sur cette version 3.1, avant, les versions antérieures, le jeu ne ressemblait pas du tout à ça. C'est-à-dire que jusqu'à la version je ne sais plus quoi, on n'a pas fait exprès nos Pokémon parce qu'on n'est pas là pour faire le jeu. Après, ça m'énervait. Oui, donc je disais, donc la map n'était pas du tout comme ça, c'est-à-dire qu'elle ressemblait pas à ça, c'est-à-dire que tout a été refait pour une version. Donc pour ceux qui avaient déjà testé le jeu il y a, je sais pas, il y a quelques mois, peut-être un an, je sais pas. Mais si vous voyez que le jeu ben, ressemble, n'est pas du tout pareil, c'est normal, c'est-à-dire le créateur, enfin toute la team du jeu a refait la map du jeu. Donc ne vous étonnez pas si. Ouais. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais je trouve que les animations de combat sont très sympathiques, un peu comme sur Pokémon version génération, là il y en a une autre, une que j'avais jamais vue auparavant. Donc on va peut-être faire un petit combat pour vous montrer un peu. Donc ils ont fait des animations. Voilà, ils utilisent patience. Allez, on va le mettre KO. On a donc. On envoie le jus là, la sauce plutôt. Allez, patiente. Et voilà, ça c'est fait. On a battu un crime. Aussi, les 5 générations de Pokémon sont présentes sur le jeu. Avec notre rival qui est là-bas. On va lire un petit panneau, là, j'ai envie, là. Rappel, on peut sauter par-dessus le rebord, essayer, c'est très amusant. Bref. Voilà, donc les 5 générations de Pokémon qui sont présentes dans le jeu. Pour l'instant, en tout cas, parce que vous savez tous qu'à moi, il y aura Pokémon X et Y qui va arriver en octobre. Alors, je sais pas si je prendrai toujours le jeu parce que si vous avez vu les dernières infos, telles que les méga évolutions, ça m'attire pas vraiment. C'est un petit peu what the fuck en ce moment, Pokémon. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, et donc on va continuer un petit peu le jeu. Donc là, forcément, notre rival va nous parler pour nous battre. D'ailleurs, LOL veut nous défier. Donc je vous dis pas les trucs. Ah, petite animation avant le combat. Sympathique. Les musiques juste sont vraiment super. On envoie un petit Litchi. On en a un petit principe. On espère qu'il va pas m'embêter. Ah oui. Elle baisse ma défense, donc moi je vais baisser son attaque.
personnel. D'ailleurs, on a des potions, les amis, ne vous inquiétez pas. On continue. Et sur ce, je fais ça, c'est peut-être pas mieux à faire. Mais bon, au moins, il n'y a pas trop de faire de dégâts. Par contre, j'ai assez de griffes, oui. Ok, on a encore 26 minutes. Par contre, là, ça m'embête un petit peu. Non, non, peut-être pas. Yes. Justement. Non, non. Aïe. On va encore faire un griffe, après on utilisera une petite potion. J'espère qu'il n'y aura pas de coup critique. Et ben coup critique, voilà. Voilà. Bien sûr, faut que ça tombe sur moi. Bon ben les gens, j'avais pas prévu ça. Vous voyez d'ailleurs que le Pokémon de LOL, enfin de la rivale, est revenu dans sa Pokéball. C'est un truc qu'il n'y a pas dans les autres Pokémon, dans les autres jeux de Pokémon, pardon. C'est assez sympa. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ah ok. Elle soigne le Pokémon, ok. Donc si on perd ou qu'on gagne, c'était pas important. Et bien voilà, c'est vraiment sympa. Tout était prêt. Bon ben, c'était une défaite, j'ai pas prévu. Moi, ça m'a permis de vous montrer que les Pokémon ben, rentrent dans leur Pokéball après le match. Donc, voilà. Donc voilà. Et donc là, on arrive donc à la prochaine qui est Modertica. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec les autres jeux Pokémon. C'est vraiment des noms de villes inventés, des maps inventées également et tout. Bien le bonjour, nous sommes les Pokémon. En fait, c'est déjà fait, donc pas besoin. On va peut-être regarder vite fait la boutique Pokémon, à quoi ça ressemble. Ah, plus tard. Ah. Porte d'accès au sas du système de mise à jour. Excusez-moi. Information. Ah, ok, je vois. Nia, nia, nia. Ok. Ok, donc ça c'est pour mettre à jour le jeu, je sais pas, bref, moi j'en ai pas besoin parce que j'ai la dernière version. On va regarder le PC, à quoi ça ressemble. Donc ce PC qui est bien sympathique. Ah, il n'y a qu'une boîte pour l'instant. Enfin, bref, c'est un peu comme le même PC que sur toutes les versions génération. Donc je fais beaucoup de comparaisons, mais voilà, je vous dis ce que je pense, mes vraies impressions, pour pas vous mentir. Donc si vous avez des impressions sur le jeu également, vous me dites. Alors vous voyez que là il y a la carte du jeu que je dois avoir également. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi ça ressemble, sans vous montrer le nom des villes. Vous voyez que c'est deux petites îles. Donc voilà, je vous en montre pas plus. Pour pas voilà, trop vous spoiler à quoi ressemble le jeu. Et donc voilà, c'est le premier que le jeu a vraiment été créé. C'est pas de base, à part le thème de Pokémon bien évidemment. Et donc voilà, on va voir un petit peu ça. Ah ben voilà, vous voyez qu'ils ont travaillé le reflet de notre personnage dans l'eau, donc c'est vraiment super bien fait je trouve. Et ah, par contre il y a un petit problème quand on sort, vous voyez que au lieu de s'arrêter ici, ça s'arrête un petit peu une seconde après, voilà, ici donc en bas, ici là, ça s'arrête ici. Enfin voilà, ouais, ça c'est un petit détail important. Laboratoire de recherche et développement. Est-ce que Monsieur Pokémon est ici? Enfin, Monsieur Rémi, enfin, le prochain. Enfin, le passe. Je pense pas que ce soit la personne là-bas. On va aller voir par là. Ah, je peux pas avancer. Que se passe-t-il? Oh mon dieu. C'est bien. Hé, hey, toi, donne-nous tous tes Pokémon. Jamais. Tu ne veux pas? Très bien. Allez, combat comme ça, contre la team du jeu. Donc on ne connaît pas le nom, mais apparemment ce jeu, c'est uniquement sa Pikachu, personnellement. Donc on a une nouvelle team dans le jeu. Voilà, je découvre en même temps que vous. Donc il nous envoie un petit Rattata. On va essayer de se le faire rapidement. Ok, on va faire un résistement. Allez, griffe. Un petit peu petit, enfin pour moi je peux dire, je suis pas pour lui. Et ben voilà, et ben il suffit de demander les gens, voilà. Je crois que j'ai un don les gens. Tout suffit de monter au niveau 6, ça c'est parfait. Tiafabet. On va faire la même chose. Voilà, j'aime pas le test attack.
franchissement. Non, pas moi. Donc on va l'attaquer. Voilà, on va plus que 1 PV maintenant. Ah, mince. Allez, allez, on ne peut pas perdre pas ça ou quand même. Quand même, j'ai perdu un combat tout à l'heure, ça me suffit. Alors avant qu'il y ait un coup critique, les gens, je préfère utiliser une potion. Voilà. Une stop, mince, pas une potion. Un griffe. Et là, il est plus là. Bon. Allez, allez, on peut y arriver. Allez, plus il faut, je compte sur toi. On est en vidéo là, je peux pas perdre. Vraiment, la musique, je trouve, c'est super. D'ailleurs, en parlant de découvertes sur des jeux, des faux jeux, je trouve que c'est celles qui font le plus de vues sur ma chaîne. Donc, je m'en remercie. Mais je sais pas, c'est. Vraiment, ce que j'ai. Pourtant, je trouve que mes découvertes, des fois, sont mal faites. Parce que, par exemple, la découverte de Pokémon Sword Dark Souls, j'avais vraiment failli. J'ai dû me rattraper dans l'épisode 1, parce que j'avais pas pris une note, justement. Là, j'en ai pris quelques-unes, et encore pas beaucoup. Et puis voilà, j'espère que celle-ci va vous plaire, du moins. En tout cas, je vous en remercie encore. Vaut mieux que j'appelle mon coéquipier pour qu'il s'occupe de toi. Et bah oui, t'es tellement naze. Hein. Viens par ici, on a affaire à un gamin têtu. Je suis pas un gamin, déjà. Je suis peut-être têtu, mais pas un gamin. Alors, comme ça, on va jouer les héros. Les héros plutôt, parce que les héros, ça fait un jeu mieux. Qu'est-ce qu'on va voir? Non! Il a même pas suivi Pokémon, il n'est pas gentil. C'est pas loyal. Alors avant qu'on se prenne un araclé, on va suivre une petite Pokémon, encore une fois. Allez, voilà. Ligotage. Pas du tout. Niveau 7, on peut se le faire. Allez. J'aurais peut-être dû faire puissance. C'est bien puissance. Comme ça, on a le taux de critique qui augmente, je crois. Je connais pas très bien cette attaque. C'est le... Je suis déjà libéré, allez, cherche pas. Mais... Ah, critique est bon, c'est ce que je disais. Mais c'est bon, là. Pas content, je suis déjà ligoté. Ça c'est fait. Et aussi que que la barre d'expérience est plutôt fluide quand ça augmente. Donc c'est une barre qui passe comme ça. Donc c'est super bien fait. Et ça augmente plutôt relativement vite. Parce que là il y a 46 points d'expérience, déjà plus de la moitié. Donc c'est quand même pour montrer qu'au début, au début, c'est assez facile de faire exploser Pokémon, après ça doit être plus compliqué. Ce qui est logique. Petit rejoucement. Stop de baisser ma défense. Il va me faire un one shot là, les gens. Un coup petit. Ouh. J'ai peur, les gens, j'ai peur. Ouais. On va baisser son attaque. Parce que là. Vraiment pas. On continue. Parce que c'est bien de baisser ma défense, mais si t'as pas la. Comment dire? Si t'as pas la tête, ça sert à rien. Oh purée. J'y crois pas, les gens. J'espère que ça va. On va voir ce que ça fait. La team se commence comme toujours. Est-ce que ça va avoir un impact? Ah ben les gens! On revient carrément chez nous. Ah, il y a une légende là-dessus. Le crucifeu. Mais les gens, on revient chez nous comme ça? Je pense qu'il fallait faire une sauvegarde. Oh, oh là là, les gens. Et bien, vous voyez comme quoi le jeu est assez sévère avec nous. Vous perdez contre la team. Et bien, vous revenez au dernier endroit où vous étiez. Donc, apparemment, je sais pas comment ça marche. Je pense que c'est par système de sauvegarde. Je sais pas. Je pensais que je reviendrais au centre Pokémon, mais. C'est moi que je demande. Enfin bref, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, ça rend le jeu un peu plus compliqué. Et moi, quand c'est compliqué, ben, j'aime ça. Et oui, je suis un peu mal sort. Bon, on n'est pas en compte de ce que je viens de dire. Et puis, ben,
Mais voilà, on va essayer de se les refaire tranquille de pelo. Par contre, j'aimerais bien acheter une potion parce que là, ça va pas le faire. J'aurais bien aimé au moins remettre la machine au prof, monsieur, au petit monsieur là. Le professeur Rémi. Mais est-ce qu'il y a une boutique parce que là, c'est avec le 100 Pokémon, mais la boutique a l'air d'être juste après. Je ne peux pas accéder au service. Je me demande ce que c'est, ça en tout cas. C'est-à-dire, les 30 services, je sais pas quoi. Est-ce que c'est directement pour accéder aux échanges, aux combats, peut-être. Je ne sais pas. Mais les gens, croisez les doigts avec moi. Il y a peut-être patata. Les gens vont faire ça très bien sûr. J'aurais dû faire exprès les Pokémon. Mais... ça fait deux Epic Fails dans une vidéo. C'est vraiment désolé. Ouais, on essaie de pas trop faire de PV. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. On peut pas trop Epic Fails parce que c'est pas trop sûr. Ah, voilà, deux beaucoup de pour moi. Ouais, ça c'est fait. Allez, on croise les doigts. Niveau 8, parfait. Fiat avec griffe. Allez. Je monte moi le niveau 9. Voilà, ça c'est fait. En niveau 9 peut-être pas de suite. Tu me parles, ça arrive tellement à Han. Pas que toi, je te rassure. Allez. Alors toi, je. Ça rapidement. Je crois que c'est surtout les ligotages du abo qui m'ont fait perdre beaucoup de pieds. On va essayer de. J'ai utilisé le puissant dans un premier temps. Voilà. Justement. Non, j'aime pas ça. Brave. Oh, bon, ça, je pense que ça devrait aller. Oui. Ouf, ce coup critique. Ce coup critique. Oh non, je suis pas empoisonné. Non. Déjà, il est KO. Non, niveau 9, s'il te plaît. Ah, nice. On peut y arriver, les gens. Si j'arrive pas, je m'arrêterai là. Comme ça me laisse le suspense. Un petit coup critique, s'il te plaît, un petit coup critique. Enfin, pas y arriver. À 2 PV. Non. Plus critique. Ah, mince. Non, mais les gens, on a perdu. C'est pas grave. Je pense qu'il va falloir que je fasse 6 semaines pour tenir. Je vais continuer. Ok, j'espère que je m'excuserai. C'est. Parce que je voulais vraiment pas. Là, un truc, c'est qu'on voit plusieurs pièces quand on arrive en haut. Là, par exemple, là. Ah non. C'était une impression. En tout cas, en haut. Ah non. Je suis pas fou, j'ai quand même vu des pièces. Je sais pas. Peut-être que c'est un jeu, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées. Bon ben les gens, je vais pas faire non plus une découverte trop longue, parce que une découverte certes c'est censé être long pour bien présenter le jeu. Mais faut pas non plus que... voilà. Donc on va aller jusqu'à la prochaine boule, se laisser sur place publique. On va faire un joli petit endroit. Donc, allez, hop, on passe par là, hop, voilà, allez, hop, mince, voilà, on va faire ces petits Pokémon sauvages, je sais pas pour aller les affronter les autres, les fourmis 4ème génération si je ne me trompe pas, comme quoi, c'est vraiment varié les Pokémon dans ce cas-là. Donc je vous dis ça, normalement les spires sont très faciles à battre, voilà, ça veut dire, vous avez vu une boîte de Pokémon, donc il suffit que j'en attrape un, que je fasse XP les deux. Voilà. Okay. Là, c'est juste que je suis comme un noob en ce moment. Voilà. Je vais pas m'excuser de rien. Voilà, ça c'est fait. Niveau 9, parfait. Bref. Donc, on arrive sur Modertica. On va se nommer les petits Pokémon. Et puis après on va se passer les gens.
Donc ça donne le suspense. Si vous voulez voir la suite du jeu, et ben vous testez. Je mettrai le site dans la description. Ben voilà. J'espère que d'ailleurs que ce jeu vous plaît. Actuellement, si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me demander. Je ne ferai pas de suite, je l'avoue. Si je le fais, c'est peut-être on sera en fin d'année 2013. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire. D'ici Noël, normalement j'aurai un nouveau PC. Un PC où je pourrais faire des jeux assez bien, des jeux même très bons, je dirais, des jeux de même pas de un an peut-être. Des bons jeux sur un petit PC gamer, enfin pas non plus super, voilà. Mais je pense que vous m'avez compris. Et je garderai le PC que j'ai actuellement, comme ça j'aurai deux PC. Je sais pas ce que je ferai, ça pourra me servir. Je pense que j'ai une petite idée de ce que je ferai avec. Et puis voilà, moi je vais vous dire que je ferai sûrement une vidéo de meilleure qualité d'ici 2014. Parce que je pense pas que j'en ferai après pendant Noël, quoi que ce sera les vacances. Je verrai, bref. Mais ici 2014, c'est soir, vous aurez des vidéos opérationnelles, je pense. Des bonnes vidéos, du moins. Et donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, j'ai pas trouvé de bug pour l'instant sur le jeu, sachant que il y a énormément de bugs qui ont été corrigés, des modifications qui ont été rajoutées, comme toute la map qui a été faite d'ailleurs, comme je vous ai dit, des ajouts de je sais pas, par exemple, c'est des bâtiments, je sais pas si celui-là a été rajouté, il n'était pas trouvé la base peut-être, et des scripts de météo peut-être, je sais pas, qui ont été faits pour la 3.1, donc cette version a été, a eu, entre la 3.0 et la 3.1, il y a eu des mois et des mois. Mais pour la 30.2, je pense que ce sera à peu près pareil. Et puis voilà, pour l'instant, le jeu m'a l'air plutôt sympa. Donc je l'ai trouvé comme ça, baladant. Enfin, c'est le fondateur du jeu s'est inscrit sur Team Nebula, du coup, donc j'ai pu voir qu'il y avait un forum et tout. Et donc, tester son jeu. Donc, ben voilà, les gens, on va se laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour un rétro filming normalement, et après peut-être un épisode de Pokémon version cristal. Je vous avoue que on arrive sur la fin du jeu, j'ai de moins en moins envie de faire des vidéos là-dessus, parce que je me dis ouais c'est la fin, je pourrais arrêter, mais bon, faut que je le finisse. Et puis après il y aura Pokémon version génération, et puis après on verra les gens. Et donc ben voilà, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo, à mettre un petit commentaire, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, que cette vidéo vous a plu. Et donc les gens, on se dit à bientôt. Ciao tout le monde, plus.